Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel opus de Mario Kart Bleu. Oui, vous l'avez réclamé. Vous êtes sadique. Et nous aussi, du coup, parce qu'on accepte de le faire oui. Également. Comme on a fait des sales coups la dernière fois à Pierre Cross et que voilà, ça lui est resté sur les pattes pendant plusieurs mois. Et qu'il n'est plus notre ami. Non, plus du tout, on n'a plus de nouvelles. On a décidé de se brouiller avec un nouveau youtubeur. C'est Amixem qui est avec nous aujourd'hui. Allez, Maxime Amixem, c'est un nan. Un anagramme. C'est un anagramme. Ouais, je savais. Donc tu vis en appartement ? Je vis dans une bâtisse. Dans une. Non. Il ne veut pas donner trop d'indices. C'est une cahute. C'est important que tu répondes. Oui, il faut que tu répondes, Max. Alors, je vis en appartement. Il fait 44 mètres carrés. Ah, une voilà. Petite pièce de vie. Et un balcon. Donc je rappelle, tu vis en appartement également. Oui, un appartement. Appartement. On serait pas contre un petit 20 mètres carrés de plus, je veux dire. Non, ouais. Voilà, ouais. Donc il s'agirait de pas non plus trop l'encombrer, quoi. Je voudrais qu'on sorte, s'il vous plaît, tous nos cartes bleues. Les règles, pour ceux qui ne connaissent pas, on oui. Va jouer à Mario Kart. Le perdant, donc le dernier de chaque course, donne sa carte bleue aux deux autres qui vont acheter quelque chose sur un site de e-commerce qui s'appelle Cdiscount. Je peux vous dire qu'ils ont tout depuis une console de jeu à une bétonnière. Oh, je dis ça juste comme ça. Tu as oublié de préciser, McLag, qu'il s'agit d'un cadeau encombrant que nous devons acheter à l'autre. Un cadeau pas pratique. Pourquoi tu me désignes ? Un cadeau un peu énervant. Cadeau empoisonné. Oui, tu l'as dit, avec ce grand nez qui tient d'une obédience particulière. Moi, je prends le volant. Moi, je prends le volant aussi. Moi, Max, je ne joue pas avec vous. Allez, on y va. On part sur un Grand Prix en 150cc, bien évidemment. Bien sûr. Tout à fait. Attends, mais moi, je veux. Non, mais je veux un volant, moi. Mais t'as quel âge, enfin, maintenant ? Non, je veux un volant, je suis pas un gamin. Alors, les gars, j'ai découvert juste en m'entraînant secrètement avant que vous arriviez. What ? Le Yoshi noir. Ah, le Yoshi noir. Il est tellement stylé. Trop bien. Moi, je prends Toadette rose. Je prends le Mario comme sur la boîte du jeu. Oh, il est faillot avec Nintendo. Bonne chance. Yes ! Je vais faire un départ booster, j'ai appris. Ça va être énorme. Les gens m'ont dit sur qui internet. Qui t'a appris ? Les Twittos. Non, c'est moi. Merde, j'ai pas appuyé sur le bout. Et je suis le seul, évidemment, à avoir réussi. C'est le premier, en fait. Moi, ce qui m'énerve, c'est que Max soit premier, et ça veut dire que potentiellement, il peut ne perdre aucune partie et n'avoir aucun. Non. C'est bon, j'ai crié vraiment pour rien. Oh là là, les gars, je suis dernier, c'est infernal. Et c'est une première place pour le jeune Maxime. Non, pas encore moi en premier. Carl, s'il te plaît, arrête-toi. Mais qu'on est potes depuis combien d'années ? Grave. Yes ! Max ! Alright, bro ! Tu pousses dans la salle ! Qui sait qui va encore avoir des accessoires pour son bateau ? Excellent. Uniquement des accessoires. Excellent de soirée. Alors prenons le compte de David si tu veux oui, bien. Oui, bien sûr. Franchement, je pense que dans cette vidéo, faut joindre l'utile à l'agréable. Mais ouais, mec, un lave-linge. Vraiment, prends-moi un lave-linge. Tu peux la fermer ? Attends, de la bouffe pour reptiles, mais... c'est... Non, mais... Mec, il y a un sachet de nourriture pour tortue, c'est fou. Un terrarium en verre de 30 par 30. Portail. Non, bah non. Ah non. Un portail quoi ? Mais non. Un portail grillage. Les gars, j'ai pas de portail, je suis en avant. Oui, c'est, bah je sais bien. C'était très bien. Ne me donne pas d'ordre. Regarde ça, c'est pas génial. Je rêvais d'acheter ça à McFly, mais c'est beaucoup trop cher. C'est quoi, fonce, choisis un truc vicieux. Pour compléter les accessoires de sa passion, peut-être une remorque à bateau. J'aime beaucoup. Arrêtez avec les bateaux, les gars. J'aime beaucoup. Mec, regarde cette belle remorque qui fait 3 mètres 20. Remarque de mythe. Tu sais quoi, pour moi, on ne se pose pas de questions. Ajouter au panier ? Non, fonce, non, les gars, c'est les incroyable, les gars, la carte bleue, non. Où est-elle ? David Koskas. Mais c'est quoi votre délire avec les bateaux et Worm, là ? Essaye de voir si c'est compatible avec le moteur. C'est validé, c'est t'as trop appuyé, tard. Ça y est, tu as appuyé. Attente de paiement, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oui. Voilà qui est fait ! C'est trop tard. Mais les gars, elle fait 3 mètres, comment je vais faire, moi, pour mettre ça dans mon salon ? Ma vengeance, elle va être infernale. Encore faut-il que tu, ouais, vous faites les que tu gagnes. Faites les malins. C'est parti, les garçons ! Deuxième course, je vous promets que celle-là, je la gagne. Okay. Yes, directement premier. Moi non. Oh, batterie faible, il y a une qui est de batterie faible. Non, je suis tombé dans l'eau. Non, les gars, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez. Non, mais je suis encore dernier. Ça me fait vraiment du mal. Arrêtez, laissez-moi gagner, s'il vous plaît. Qui m'a doublé ? Non. Oh, mais je suis encore dernier. Carlito ! Mais non. Carlito premier du nom. Non. Mec, j'ai eu hyper chaud. Non, encore une fois. Quatrième, il est juste derrière. Max, c'est un moment qui est déjà arrivé, et chers amis aussi, c'est que j'ai vraiment de la peine. Toi, tu l'as pas. Les gars, pendant que vous jouiez aux jeux vidéo dans votre vie, moi, je faisais de la guitare, ok. Quand j'étais jeune. Bah, s'il y a une guitare à chacun, on fait un comme as you are et... Tu l'as ? Comme as you are, bah, c'est pas compliqué, hein. Oh merde. Il a raté la deuxième. Non, vas-y. Ah, tu l'as comme as you are ? Qui a perdu du coup ? J'ai vu sa gueule quand il jouait. Vas-y, on y va. Yo. Il y a tant de choix. Regarde où je vais en venir. Mais je crois. Alors là, je crois que je suis heureux. Ton pack, c'est une idée géniale, une table. Ouais, c'est très grand. Je sais pas où tu vas la mettre à côté de la remorque, quoi. Et vous êtes des bâtards parce que vraiment ça me fait mal, vous en avez rien à foutre quoi. T'as envie d'une table de ping-pong ? Oui, j'ai envie d'une table de ping-pong, mais pas dans mon appart. C'est un peu cher, ça me fait chier pour lui.
C'est un peu cher. Parce que je suis quand même le parrain de sa fille et je me dis, le mec, il aura moins de sous ce mois-ci pour la nourrir. De toute façon, je vais vous dire, faites vraiment gaffe. Faites gaffe parce qu'il y a un moment où je vais gagner une partie, c'est sûr. Réfléchissez, moi je dis plus rien. Tu préfères un point, bah, point relais. Un point relais, ouais. Puis comment veux-tu la chercher enfin? Bah t'as une remorque. Le pire, c'est Max. T'as vu un peu? Toi, il a... toi tu prendras, mais j'adore Max. J'adore ce jeu. T'as aucune compassion. Non, oh là là, c'est ça. T'es incroyable, mais regarde cette gueule. Mais mec, j'adore ce moment, je trouve ça génial. Je peux appuyer. Mais j'ai ah, ouais, bien sûr. Mec, j'ai failli lui en mettre une. Mec, je te jure. Ça m'est monté. Tu m'as croisé, j'ai failli t'en mettre une. Je me donne à fond, les gars, dans le jeu. Je suis pas du tout genre en train de me la couler ouais. douce. Je... Comment je vais faire, quoi? C'est bien. Tu sais quoi, McFly, changeons de place. Vas-y. C'est pour le Feng Shui. Peut-être que tu perds parce que t'es placé en altitude. C'est vrai. On sait pas, ça. T'es un peu décalé par rapport à l'écran. Un angle de 90 degrés préconisé pour faire des bonnes performances sur Mario Kart 8. Pardon, j'ai merci. Pas... Non, merci. Merci, mec. Allez, les garçons, un peu d'énergie. Ouais. Enfin, sauf Vida qui a raison d'être triste. Allez, je suis chaud. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Ouais, vas-y, go. Oh, oh je me suis fait... Les gars, je viens de me tuer tout seul. Mais je viens de m'envoyer une boule tout seul. Flamme violette. Le boost gratuit. Je suis huitième. Je suis devant vous. Oui, 7. Aïe, putain, ta mère. Et je n'aime pas. Non. Le terrarium pour tortue, il est pour qui? Non, tu m'es passé devant. Mec, arrête. S'il te plaît, l'amitié. Quoi, l'amitié? L'amitié tout ce temps. Dis-moi des trucs sur nous. Super cadeau pour ton anniversaire. C'est nul, on s'en fout. Non, je suis tombé. Non. Mec, dis-moi gars, des trucs sincères que okay. tu penses de moi. Ouais, je m'en bats les couilles de toi. Quoi? Je m'en bats les couilles. Mais t'es con, pourquoi t'as dit ça? Ok, je t'aime tellement. Fuck. Fuck. Allez, non. C'est non. Bah non, mais la gars, non. Non, mais pourquoi tu m'as insulté? Non. De toute façon, c'est mort, je perds pas là. Il fait vraiment la gueule. Non, mais les gars, je perds pas une troisième fois. Oui, d'accord. C'est même pas négociable. Là, t'as le somme, on va être gentil bon. Et te prendre un truc pas trop bien. Je suis désolé si je suis pas très marrant dans cette vidéo, mais ça me fait vraiment mal. Si vous étiez à ma place, vous comprendrez. Vous comprendriez, McFly. Tiens, en plus, je lui en mets une sur la littérature. Non, mais t'es vraiment discuté avec moi. Y'a plus du tout d'amour entre nous. Vu qu'il fonctionne un peu, regarde, comme un enfant. Qu'est-ce que tu fais? Il a pris un photo de ma carte bleue. J'ai un otage et j'ai Twitter. Mais je fais opposition immédiatement. Est-ce que c'est drôle? Hein? Il est sur autre chose. Mais il a pris ma carte bleue en photo, mec. J'ai peut-être une idée. Tu penses qu'il y en a pas trop cher? Oh. C'est vraiment celui-là que je visualisais. Ça sert à quoi un bidet déjà? Ouais, c'est la question à laquelle tu devras répondre quand tu auras ton bidet. C'est pour se rincer le sexe, hein. C'est un ustensile. Un sexe. Ah oui. Ah ça c'est inutile, hein. Puis ça fait du bruit. C'est surtout ça qui m'intéresse. C'est celui-là que je voulais, je l'avais repéré. Le jaune, un groupe électrogène. Mais but. Tu voulais acheter ça? Vraiment. Il voulait acheter ça. Il est vraiment mal. Il est pas bien. Moi, je connaissais pas comme ça. T'avais quoi comme idée? Un kit de pêche. C'est génial. Mais il adore la pêche, par contre. Bon, allez. On a quelque chose pour toi, Max. Je propose. Un kit de pêche. C'est sympa. Ça va, j'aime bien la pêche. Kit de pêche prêt à l'emploi à un prix étonnamment. L'intitulé finit par un adverbe. C'est quand même mauvais signe. Un prix étonnamment. Ça me plaît. Moi, j'aime bien. Hein. Ça. Oui, c'est des... très bien d'ailleurs. Ouais. Des petits leurres. Ouais. Mec, tu fais de la pêche, pourquoi t'es si mécontent à l'idée d'avoir un bateau? Premièrement, oui, et deuxièmement, la livraison est gratuite. Sans rire. Non, mais. Je n'habite pas près de la mer. Mais c'est une remorque, putain. J'habite en ville dans le 92. Vous n'êtes pas sûr de votre achat? Si. Ah, si, si. Oh, t'as vu, là, il demande plus de vérifier. Tiens, tu fais tellement d'achats sur Cdiscount qu'il a confiance. Pardon. Allez, ok. C'est une incantation? Sing. Course suivante. Explique-nous un peu les leurres du coup, comment ça fonctionne, parce que vraiment j'y connais rien, ça m'intéresse, et je te jure que c'est pas ironique. Mais je te jure que c'est pas ironique! Au lieu de pêcher avec un appât vivant, tu pêches avec un appât qui est en plastique et qui attire le poisson pareil. Mais les poissons sont hyper cons! Bah, tu viens de découvrir ça? Attention! Moi j'ai jamais réussi le booster, hein, par contre. Bah, moi j'ai comme mon dernier. Bah McFly, fais un effort! Mais aussi, je donne tout là! Voilà! C'est qui? C'est ah mais qui? Genre, t'as appris à jouer c'est en qui deux tours, quoi, McFly. Non, mais... Ah oui, je suis premier. Quoi? Je suis premier pour la première fois de mon life. Putain. Non, j'ai un fantôme. J'ai un fantôme, tout le monde. Oh merde, c'est la fin. Je suis deux. Je suis deux, je jouis prématurément. Je suis deux. Ouais. Oh. Maintenant, tout le monde sait comment tu jouis. Et c'est ridicule. T'as un mieux. Je te jure, j'ai envie de pleurer un peu tellement, j'ai la pression qui retombe. Ah mais oui, c'est vrai, ça y est, ça a des conséquences pour toi. J'avais oublié complètement le concept du jeu, moi. Je vous en avais parlé de ce moment. Moi, il y a un mot qui me fait rire. Ouais. Un mot que j'aime énormément. Gluten? Non, mais là, fais pas ton malin. Ça commence par un B, suivi d'un E, donnez-moi un T, donnez-moi un O, donnez-moi deux I, E, R, E. Le mot bétonnière. 63 litres, c'est une belle contenance. Ouais, si ça, je sais pas, ça permet quoi? Ça permet de probablement couler une dalle.
Moi, c'est cette partie qui me plaît, c'est la manivelle. Elle est mal notée. Il faut changer d'idée, McFly. J'ai été déçu de mon achat. Très, très bon commentaire. Ça va dans mon sens. C'est-à-dire qu'on va lui offrir une bétonnière qui ne lui servira pas, mais en plus, de mauvaises factures. Bien. On ajoute au panier. Oui. Allez, une petite bétonnière. La voilà. La voilà. Et le cryptogramme 4-4-5. En attente de paiement. Un petit SMS peut-être. Et nous, votre commande est terminée. Son compte n'est pas du tout sécurisé. Oh ta mère, je te jure. Ouais. T'avais aimé mon idée du gage pour Maxime? C'est une très bonne idée ça. Mais du scotch. Mec, on va te scotcher les mains pour cette dernière. Est-ce que ça va t'handicaper ça? Ah oui. Terriblement mec. J'ai une autre idée en tête. Regarde, attrape ça. Ah oui. Attends, tiens, fignol. Sur les poils. Sur les poils. C'est impossible les gars, je n'ai plus de sang dans les mains. Par contre, elles sont violettes. S'il gagne. Mec, j'ai mal au bras les gars, mes poignets comment ça. C'est le but. Je peux pas faire LR les gars, je peux pas faire LR. Tout le monde fait LR là. C'est bon, il y a que Max. J'essaie. C'est un Max, c'est juste que c'est dur pour lui. J'ai quand même. Ah bah mec, j'ai grave la pression, c'est horrible, regarde. Oh, elle a pire en plus. Oh, j'ai réussi le booster. J'ai eu booster aussi là. Mesdames et messieurs, ceci est le dernier circuit de Mario Kart Bleu 2. Bonne chance à David et moi surtout. Maxime, dis-moi que c'est quand même plus dur pour toi. Je suis premier. Mais non. Mec, bon, McFly, faisons un truc, Je suis en mouvement, Merde. Je suis en mouvement constant. Mais fais tomber. Oui. Mais écoute, non, je suis tombé. McFly, t'es pas dans le champ, faut que tu t'assieds. Non, je suis tombé. Je suis deux. C'est bon, Carlier. Il a perdu. T'arrives à être vraiment joyeux. Oui. Détachez-moi. Un ciseau. J'ai mieux pour te détacher. La cuitochette, mesdames. La cuitochette. Ah, ah, les enculés. Bon. Tiens. Tout ça pour dire que t'as été un peu nul sur cette course, on peut pas se mentir. Karl, on peut se rappeler qu'il a été hyper heureux de nous faire du mal. Dans ton appartement, tu as une salle de bain. T'as une douche. J'ai une douche. Une baignoire, en fait, qui fait douche. Alors, donc, deux baignoires, par exemple, ce serait... Une baignoire de trop. Baignore, tu as mis. Tu t'as baignore. Alors là, baignore noir heureux. C'est un bonheur. C'est un bonheur. On est d'accord que deux baignoires. Bas noir, mec, c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai jamais réussi à taper le putain de truc. Sur les. Quand tu dis la vérité sur ma salle de bain. Ouais. Elle est minuscule, elle est nulle à chier. Et c'est parfait. Une seule baignoire. Parce que par exemple, une deuxième baignoire de 160 par 90, asymétrique. C'est pas mal peut-être ça. Je trouve ça vraiment bien, mais. Il est... Regarde, c'est quand même Monsieur Burns plus jeune. Ouais, on est d'accord. Donc, ou plutôt Smithers. Un mixem et le mix parfait entre Smithers et Monsieur Burns. Regarde, si je tape. Ça me plaît, ça me plaît. Vraiment, tu m'as jamais déçu. Les gars, j'ai pas du tout de jardin. Oh là là, il y en a des biens. Ça ira pas sur 360 cm. Oui. Tu as une petite échelle en surplus. J'ai une petite échelle. Je vais monter où? Les avis. Les enfants adorent. Tu n'as pas d'enfants. C'est parfait. 90 kg. Ah non, c'est le poids qui peut accueillir. Regarde, tu peux négocier, ça veut dire. Ah vas-y, négocie. Quelle offre souhaitez-vous faire? 200. Non, mais attends. Mais 120. 140. Mais c'est incroyable de négocier. 140. Ça a été refusé, la négo. Mais il nous propose un prix à 155 au lieu de 159. Alors. Alors, dididididoudou. T'habites à Angers, c'est vraiment, c'est une belle ville, Angers. Hein. C'est très beau. Tu as plusieurs choix, soit l'hypermarché géant casino, soit le GA49 Allo Chrono Course ou le Cristoni. Moi, le Cristoni me plaît. Il est à 30 km. On le prend celui-là. C'est très méchant. Ça lui fait faire un petit peu de route. 30 km. 32 km de chez toi. Mais faut que je fasse 20 minutes. Je pense que c'est bien pour prendre l'air et pour ton moteur. Ouais. Je clique sur valider. La demande est terminée. Oui. Mon cher McFly, pour les gens qui nous regardent et pour moi-même, parce que je suis perdu, un récapitulatif, s'il vous plaît. Une remorque de bateau pour une potentielle mise à l'eau, une table de ping-pong. Et une petite valise de leurre. Donc ça, c'est sympa. C'est cool. Ça, le dernier me plaît un peu. Quant à moi, j'ai perdu gagner une bétonnière. Ai-je besoin d'en rajouter? Non. Je crois pas. Et moi, j'ai gagné un trampoline pour des activités en plein air, sachant que je n'ai aucun espace plein air. Merci, Cdiscount, pour avoir autant de choix sur votre site internet. Votre site est bien. Il est cool. Maxime, merci d'être venu aujourd'hui d'Angers. T'as bien fait de venir. Je sais hein. pas quoi répondre. Et bizarrement. Le fait de m'être vengé me met en paix. La morale de cette vidéo, c'est vengez-vous pendant qu'il est encore temps. C'est ce que vous voulez un 3, dites-le nous en commentaire parce que là c'est chaud quand même. Souscrivez à un abonnement si le cœur vous en dit. Également à la chaîne de Amixem. Bien sûr. Tout à fait. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, c'est à 10h tous les matins, ça remplace la messe, on peut le dire. C'est mieux que la messe. C'est mieux, c'est plus drôle, c'est un peu plus marrant. Oh yeah. Présente mon trampoline que je n'arrive absolument pas à monter, c'est excellent, je vous emmerde finalement. Il est 9h là, j'ai demandé à Carlito de venir pour m'aider pour aller chercher la table de ping-pong.
Yes, excellent concept de vidéo. Attendre son colis. Voilà, donc on a reçu le colis là. Et en fait, ça rentre pas dans la caisse quoi. Devinez quoi ? Une table de ping-pong. Non, rentre c'est pas. Trop grand pour une voiture. Je vais devoir payer 50 balles de livreur pour qu'il me l'amène à la maison. Voilà, le livreur vient d'amener la table de ping-pong. Pour l'instant, je ne peux pas la monter seule car elle est très lourde. Donc je vais attendre que Carlito arrive, je viens de l'appeler pour qu'il vienne m'aider. Vous êtes prêts ? Regardez bien. Je mets tout de ma porte. Oh, t'as de fait rien, rien. Bon, on va ouvrir le carton et sortir partie par partie les conneries. La solution du sage, et quand le sage montre la lune du doigt, ok. Allez, tourne, pivote. Oui, bah, ça va, c'est bon. Pivote. Bon, Carlito vient de partir. Reste la meilleure étape, le montage. Mec, là, je comprends rien. Putain.